quand a apporté. Et là, le compost mûrit et devient la terre. À ce moment, on mesure à nouveau et on partage au prorata la masse que chacun avait apportée. Ça a beaucoup resserré les liens parce que parfois, on pouvait passer même un mois sans se voir. Mais on sait déjà que le temps. Par semaine, la production du compost va s'intensifier parce que avec Nantes, l'Agence internationale des mers francophones, si comme eux aussi, nous venons de signer pour près de 400 millions pour la construction de la deuxième station. Voilà, de travailler sur la question de faire le film, ça nous a pris mis bout à bout 3 ans pour le faire, parce qu'il fallait, rencontrer des acteurs, échanger avec eux, essayer de comprendre ce qui se fait. Il y avait des projets qui n'étaient pas encore, à réaliser, qui étaient en cours, donc il fallait attendre qu'ils se mettent en place. Donc, ils sont habitués à ça. Bon, maintenant, après, je ne sais pas s'ils le répercutent chez eux ou pas, mais déjà à l'école, on les apprend à faire ça. Et moi, je pense que c'est là où il faut aller, en fait. Il n'y a qu'une seule décharge dans Yaoundé, qui est celle de Kolfoulou. Et avec 1000 tonnes de déchets, expliquez-moi comment la seule base de Kolfoulou peut trier, traiter et faire ce que tu en fais. Vous voyez que même à Tchang, ils ont besoin de 2 plateformes pour faire ce qu'ils font. Et c'est insuffisant jusqu'à présent. Donc, on ne peut pas demander, on ne peut pas rêver à voir ça à Yaoundé, quitte à ce qu'on détruise, on recommence. Et on dit, ok, voilà ce qu'on fait faire dans 5, 6, 7, 10 ans. Et on met ce plan-là en pratique. Nous avons essayé, nous avons discuté avec les mairies et voir le blocage qu'ils ont. Et que nous tous nous comprenons.